Bonjour les traders. Donc, mention légale. Voilà. Je m'appelle Philippe Baudechon, dit Philippe Trad. Je joue en bourse depuis 5 ans pour m'amuser, moi, pour placer mon argent. J'ai acheté plus de 20 méthodes. Je vais commencer par le forex. Bon, bah, ça, j'ai complètement arrêté. Il faut savoir faire ses choix. Et aucune des méthodes que j'ai achetées me satisfaisait à 100%. Ben, c'est pour ça que j'ai créé mes propres méthodes. Alors, on me dit quelle est la différence entre les méthodes de Cédric Froment et tes méthodes. Ben, moi, avec les méthodes de Cédric Froment, je ne gagnais pas ma vie. J'arrivais pas à gagner. À chaque fois, ces screeners, ils sortent 50 actions. Il faut faire des tris et tout. Je préfère. C'est pour ça que je me suis fait ma propre méthode à moi. Et encore. Le problème, c'est que je ne l'utilise pas. Il faut se fixer des règles. Et bien souvent, ben, les règles, comme par exemple mettre des stops, hein, j'en mets maintenant, ça y est, je me suis... alors bon, si vous achetez ma méthode, ben, vous aurez des screeners qui ressortent des actions explosives. Ishimoku sorti du nuage. Vous aurez toutes les actions qui touchent la moyenne mobile 20. J'ai une méthode pour les assurances vie. Alors, je vous dirai pas, je vous dis bien sûr que toutes les sur les 20 méthodes que j'ai achetées, ben, il y en a beaucoup que j'ai copié, on se copie tous. Hein, j'ai pris ce qui est de meilleur à chacun et puis je m'en suis fait ma propre méthode. Méthode d'analyse fondamentale, bon bah ça par contre, je l'ai trouvé nulle part, ça c'est moi qui l'ai fait moi-même. Un tableau Excel, ou comment faire pour voir si l'action elle a un petit PER comparé, est-ce qu'elle est sous-évaluée, est-ce qu'elle verse des dividendes, tout ça, c'est ça qui vous explique tout. C'est cette méthode, analyse fondamentale. Après, il y a la méthode long terme. Déjà, pour trouver des actions qui sont en tendance baissière, ou en tendance, parce que si vous voulez les shorter, ou alors, mais moi, en fin de compte, voilà, trouver aussi des actions qui sont en tendance haussière. Voilà. Alors toutes mes méthodes, normalement c'est 280 euros, puisque là c'est 150 euros, plus 50 euros, plus 50 euros, plus 30 euros, ça fait 280 euros. Donc là, du 1er décembre, j'ai décidé de 1er décembre au 31 décembre, tout le mois de décembre, je l'ai fait à moins 80%, ça vous fait toutes mes méthodes pour 56 euros. Parce qu'en ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de, à nouveau, beaucoup de gens qui revendent des méthodes, des nouveaux venus qui vous promettent des actions qui vont faire des plus 3000%. Mais pourquoi tous ces gens-là ne vous montrent pas leur portefeuille? Hein, si leur méthode est si bonne. Alors que moi, ben moi je vous montre mon portefeuille. Donc là, je vais vous montrer mon vrai portefeuille. Donc là, si on prend affichage gestion comptable, voilà. Donc là, en ce moment, je suis en gain plus-value latente de 10 000 euros. Et sur Bourse Directe, j'ai un gain de 5 500 euros sur Renault.
J'avais un gain de 6 000 euros, mais comme Renault a baissé un peu, je suis tombé à. J'aurais dû vendre à 6 000 en fin de compte. Je suis tombé à 5 500 euros de gain sur Renault. De Giro. Bon, j'ai Alibaba à plus 29%, vous voyez. Moderna, j'ai acheté du Moderna plus 12%. Amazon. Bon, ben là, qui est au prix d'achat, et puis CNX, moins 6%. Et j'ai mon compte Fortuneo, mon PEA. Donc là, il me reste Safran, plus 28%. STM, plus 19%. Ruby, plus 18%. Société Générale, plus 13%. Imerys, plus 10%. Eutelsa, plus 7%. Kaufmann et Braun, plus 5%. Alors, en fin de compte, j'ai que deux actions en rouge, Kering et L'Oréal. Donc là, en plus, je me suis fait sortir. J'ai des stops qui ont été touchés. Alors, j'ai Total, l'action Total. Si vous regardiez ma vidéo, voilà, j'avais acheté Total à 27 euros ici. Donc là, j'ai eu un bon gain. Je me suis fait un bon gain pour regarder ma dernière vidéo. Là, je me suis fait un gain de 31%, presque 32% sur Total. C'est ça que je voulais supprimer. Supprimer les lignes de pourcentage. Voilà. Donc j'ai acheté ici. J'avais mis un stop à 36,50 € et mon stop, boum. Bêtement, il a été touché. Donc bah voilà. Je n'ai plus d'action totale. Après, j'ai Score. SCOR. SCOR. Score qui a été touché aussi. J'avais ici, j'ai acheté à 27,84. J'avais mis un stop. Bon, mon action est sortie à 29,08. Donc là, ça me fait un gain de. Commence pourcentage de là à là, ouais, 4,60%. Et je me suis fait sortir aussi sur Ipsos. Toutes ces trois sorties en gain. IPSOS. Ipsos, voilà, ben là c'est pareil. Alors là, bon, c'est peut-être l'action que je regrette le plus parce que voilà, je l'ai acheté ici à 23,43. Je suis sorti avec un gain de 14%. Mais comme vous voyez, j'avais mis un stop à 26,70. L'action est venue toucher mon stop et aujourd'hui, l'action a monté de presque 4%. Elle est remontée de 4%. Donc en fin de compte, si, avec des si, bon, j'aurais dû mettre mon stop. Si j'avais mis mon stop déplacer ligne horizontale. Si j'avais mis mon stop, ouais, ici. En fin de compte, j'ai mis mon stop trop haut. J'ai voulu être trop gourmand. J'aurais dû mettre mon stop sous le plus bas de. Vous voyez, c'est une erreur des fois de mettre des stops trop serrés. J'aurais dû mettre le stop
sous la barre verte en journalier, et là mon stop n'aurait pas été touché et là je serais à nouveau en gain, j'aurais toujours mon action Ipsos. Mais bon, il faut quand même pas regretter. Donc là c'est pour ça que ici là vous voyez j'ai disponible au comptant 14 000. Donc là c'est total Ipsos et score, les trois actions qui ont été vendues pour 14 000 euros en gain. Donc score total, vous voyez, et Ipsos avait été, c'était le jour d'avant. Donc là, ordre en cours, vous voyez que je deviens intelligent, je mets des stops partout, vous voyez, à seuil de déclenchement, à seuil de déclenchement, à seuil de déclenchement, vous voyez, surtout j'ai mis des stops partout. Donc là, j'étais en gain, c'est facile, j'étais en gain de 6000 euros là, plus-value latente de 6000, et comme tout, ben, je vous dis, total, score et Ipsos ont été vendus en bénéfice, donc là, mon bénéfice, ma plus-value latente est tombée à 3900 euros. Donc aujourd'hui, ben, ça va, il y a encore pas mal de STM qui se portent bien, qui ont gain. Vous voyez, donc là j'ai mis un stop, là par contre, vous voyez, ici pas trop serré. SPI, Société Générale, et puis de l'autre côté, je ne sais pas si on peut voir mon action Renault. Voilà, c'est parce que pour ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, vous voyez, Renault, j'étais en gain de 6000 euros. Vous voyez, plus-value latente, 6000 euros. J'ai pas vendu, j'aurais dû vendre. Bon. Par contre, je crois cette action, puisque j'en ai racheté, vous voyez, j'ai racheté 100 actions au comptant. Je suis déjà en gain. Il me semble. Ah non, je ne suis pas en gain, non, je suis en perte, excusez-moi. Moins 2,50 €. Et donc là, donc aujourd'hui, je suis en plus-value latente de 5300 euros, 5377. Mais bon, si on regarde le Renault, alors Renault, R-E-N-A-U-L-T, c'est les voitures. Donc on voit que bah, c'est bien. Et encore, hein, j'ai pas acheté Renault au plus bas. Hein, j'ai pas acheté au plus bas. Hein. J'ai acheté ici à 30,73 €. Donc là, elle est en train de faire un retracement. Déjà là, boum, elle remonte déjà. Bon, je suis confiant sur Renault. Si on regarde en deux jours, bah, c'est pareil, hein, que vraiment un tout petit retracement. Et si on regarde en une semaine, donc là on est au-dessus du super trend, ça j'aime bien. Bien sûr, on est au-dessus de la moyenne mobile 20. Oh, là il n'y a pas de. Je ne vois pas de résistance. Peut-être ici, là, oui, qu'il y a une toute petite résistance, 4 bougies. Mais bon. Si on regarde en mois, ouais, c'est-à-dire que c'est une action qui a souffert, Renault. Hein. Si on regarde du plus haut, si
on regarde du plus haut au plus bas, ouais, ça fait moins 85%. L'action a chuté de 85%. Alors là, sur le mois, l'action Renault est montée de 60%, plus 60%. Mais bah voilà, elle peut encore, elle a du potentiel pour continuer à monter. Bah, du moins, moi, c'est ce que je pense. Parce que si tout le monde, si on savait, là, c'est normal, elle retrace un peu, de bougie rouge, pof, tout de suite une bougie verte. Hein, elle est bien au-dessus du point pivot mensuel, elle est au-dessus de la moyenne mobile 20, tout est. C'est normal qu'une action souffle. Voilà. Donc, si vous voulez savoir comment je choisis mes actions, ben, comme je vous dis, là, je fais 80% de remise sur ma méthode. Comparer ce qui est comparable. Voyez ce que les autres, est-ce qu'ils vous montrent leur portefeuille. À bientôt, bonne journée, au revoir.